toutes et à vous tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo retour de course de chez Leclerc, ce que j'ai acheté chez Leclerc. Si cela vous plaît, bah écoutez, c'est à suivre. Voilà, je suis allée chez Leclerc faire mes achats de la semaine, enfin bref, des petits achats, donc je vous partage. Donc, je commence, comme on rentre en hiver, enfin, il fait plus et plus froid, j'ai acheté du pain de mie pour faire des croque-monsieur, croque-madame. Donc voilà, pain de mie à riz. Je vous dis pas les prix parce que, ou je les afficherai. Des bananes bio. Voilà. Un litre de Contrex. Je prends épars, Contrex, ça dépend. Là, j'en avais de l'épars, donc c'est pas pris. J'ai pris des carottes panier du primeur, 1 kg, parce que je vais faire un bœuf bourguignon. Bœuf carotte bourguignon. Moi, je mets des carottes dedans. Au plat. Et des pommes de terre vapeur, panier du primeur aussi. Donc là, il y en a combien, hein? 2 kg. Voilà. Je n'ai pas l'habitude de faire des retours de course. Mais bon, je vais manger ceci. Tac. Ensuite, j'ai pris. Alors, je les prends tout le temps. Hein, des œufs de chez Matine. Ils sont bien. C'est ceux-là que je prends tout le temps. Alors, des œufs, des gros œufs. Pour faire des gâteaux. C'est pas pour moi, c'est pour le chéri, la rillette du Mans. Du beurre à tartiner le matin. On aime bien le beurre à président à tartiner le matin. Du beurre tendre. Soyez pas tendre. Maintenant, je me suis fait avoir. Bon, c'est pas grave. Donc voilà mon beurre. La crème, elle est vire, parce que j'aime bien tout le temps en avoir. Je prends tout le temps ce modèle. Ne me demandez pas pourquoi, je le prends tout le temps. Donc, c'est comme ça. Alors, moi, j'aime bien le midi où je fais tout le temps mes yaourts, mais j'aime bien manger des petits Suisses. Et puis, pour le petit-fils, quand il vient à la maison, des petits Suisses. Youplait. Voilà. Alors, j'ai pris. Alors, le riz, c'est pareil. Il m'a tenté parce qu'il avait deux offerts. La laitière. Syrie. Du raisin. Alors, attendez. Je crois que c'est important. Du raisin. Alors, 1,97. Voilà. Ici. Alors, du jus d'orange. Tac. Une bouteille de vin qui était à moins de 30%. C'est pour tous les jours du Bordeaux. C'est pas pour moi non plus. J'ai horreur du vin. Allez, quand on vit pas seul, c'est comme ça. Des yaourts au chocolat pour le chéri, pour aller travailler. Je les prends de temps en temps. Pareil, c'est pas tout le temps, c'est aléatoire. De la crème Brie Délice, la crème épaisse pour mes croque-monsieur. Donc je prends tout le temps celle-là, puis un petit format. C'est pas peine, quand on est seul, pas peine de prendre des grands formats, ça sert à rien. Alors le président. Le bleu président. Il y a beaucoup de moins 10%, moins 30% chez Leclerc en ce moment. Alors, limousine du bœuf bourguignon. Donc, c'est fait à Riailler, donc je connais le producteur. C'est pour ça que j'ai pris. Donc, voilà. 6 tranches de jambon tradilège à l'étouffée pour faire mes croque-monsieur. Je prends tout le temps le père dodu, les escalopes de dinde. Elles sont très bonnes. Et la viande hachée pour faire du haché parmentier ou de la bolognaise. Donc voilà. Voilà pour les achats frais. Donc voilà. Toc, toc. Ensuite, donc comme on arrive à la nouvelle année, je me suis pris un agenda, nouvelle année, à l'année 2021 qui arrive, je me suis pris un agenda, je prends
tout le temps dans ces modèles-là. Mais qu'est-ce qu'ils sont moins épais, moi, on peut mettre beaucoup moins de choses, j'en sais rien. On voit, on voit pas. La lumière, je vois cache-cache. Donc voilà. Donc, sword, la marque. Donc je prends tout le temps celui-là. Oui, il est beaucoup moins épais, je ne sais pas comment ça se fait. Tout diminue. Un petit calendrier pour mettre dedans. Donc moi, j'aime bien noter tout ce que j'ai à faire dedans, mes rendez-vous, enfin tout comme tout le monde, hein, je pense. Un petit calendrier pour aller avec. J'aime bien avoir ça sur mon bureau. C'est mes rendez-vous, c'est important. L'agenda et ça, tout le temps, au mois de novembre, j'achète tous les ans. C'est des petits disques à démaquiller parce que je fais tout le temps avec mes cotons que je fais moi-même, mais c'est surtout pour le biphasé, pour les yeux là, ça tâche très dur, donc j'aime bien l'avoir à l'avance aussi pour le vernis à ongles de pied, parce que demain, non, c'est une manucure que je me fais faire, du génie sans bouillir, tout le temps. Pour les petites lèvres, pour les petits trucs. Je la prends tout le temps. Ça, c'est mon rituel. Du myrrhe. Baume soin. C'est plutôt pour les laines, ça. Voilà. Donc, moi, je prends toute la gamme en ce moment pour mes cheveux de singe. Donc, j'ai le shampoing. J'avais plus d'après-shampoing. Donc, j'ai pris que l'après-shampoing parce que je l'utilise. Et puis, j'ai le... Comment on dit, après là, que je ne me sers plus. Donc, que le shampoing. Et là, j'avais besoin que le soin nourrissant, le démêlant. Il est parfait. Petit prix, petit budget, nickel. Du coton tige. Oui, hein. Voilà. Je ne sais pas si je vous mettrai les prix. Donc, dans les courses normales, je vais vous dire réellement le prix. Dans les courses normales, je donnais des petites cartes, j'ai pris pour les petits enfants. Alors, j'en avais pour combien? Pour manger. 39,45 €. Alors, attendez. Oui, c'est ça. Bref. Ensuite, je suis allée surtout pour ça. Je voulais vous montrer. J'achète tout le temps l'accord parfait. Vous savez comment je suis, de chez L'Oréal. Et j'ai vu des publicités à la télé, hein, on est influencé. Donc le sérum, le sérum nude, accord parfum nude, sérum teinté repulpant. Alors, là, je vous montre. Qu'est-ce qu'il va donner? Je ne sais pas. Alors, je voyais, celui-là, il est quand même passé la couleur. Parce que dans le magasin, j'ai regardé. Oui, il est peut-être un peu plus clair. On va voir. Donc, autrement, il y avait la teinte au-dessus, mais très, très foncée. Donc, j'ai pris le 2, 3 Light. Je vous montre plus près. Hop. Voilà. Et celui-là, il y avait le 3DW, mais... quand j'ai mis côte à côte, je me suis dit c'est celui qui se rapproche le plus. Donc tout ça pour venir au fond de teint en ce moment, je ne sais plus quoi mettre parce que j'aime bien être naturelle. Donc j'ai pris ça. Dans les produits, que les produits là, 32 €. Voilà. Donc à voir ce que cette chose. Je suis intriguée. Je vous ferai une vidéo de fond de teint parce que. J'ai acheté dans le mois d'avant l'eau de Chanel. Donc, je ne vais pas l'utiliser tous les jours. Ben non, ça coûte trop cher, c'est un budget. Donc, les perles, les beiges. Voilà. Alors. Voilà. Et moi, j'avais pris la teinte... le 30 ml médium plus. Donc il est livré avec son petit pinceau, voilà, vous l'achetez. Donc moi j'avais pris chez Nocibé, elle m'a fait 25%, je l'ai payé dans les 40 et quelques, presque 50 €, les beiges. Et je me suis fait venir aussi de chez It Cosmetics, je ne voulais plus mettre de fond de teint, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. La CC crème,
Parce que quand j'ai acheté mon fond de teint, elle m'a donné un échantillon de la CC Crème et j'ai trouvé bien. Donc, c'est la Light Medium. Donc, je vais faire une petite vidéo de make-up pour vous montrer. Donc, elle est très bien. Très, très bien. Alors, moi, une CC Crème. Donc, je ne connaissais pas du tout la CC Crème. Je ne connaissais pas. C'est un petit peu la BB Crème. La CC Crème, non. Donc, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Ça va plutôt pas mal. Et j'ai mis le rouge à lèvres de chez Inoxa. Je l'ai mis ici. Je fais des pommettes avec. Donc, j'ai discuté avec une dame tout à l'heure dans le magasin de fond de teint. Je l'ai conseillé. Bon, bah écoutez, j'espère qu'elle va. Je sais pas ce qu'elle a acheté. Donc, elle savait pas. Donc, c'est ces crèmes de chez It Cosmetics Super. Et j'ai acheté le pinceau pour aller avec. Moi, j'ai à dire que quand même, les pinceaux, ça. C'est bien pour finir l'application, mais si on l'emploie directement, eh ben ça consomme beaucoup plus de produits. Donc moi je le mets partout, puis je termine avec ceci. Donc là c'est pareil, j'ai eu 25 ou 30%. Et puis j'ai reçu en cadeau, on reçoit tout le temps des cadeaux, des échantillons, la petite poudre jaune. Elle est super, super, super pour matifier. Donc, je l'ai attesté. Donc, écoutez, elle est très bien cette poudre. Il y a un nom? Est-ce qu'il y a un nom? Poudre pressée de finition ultra légère. Voilà. Donc, écoutez, alors, la vidéo, c'est surtout pour les fonds de teint. Voilà. Voilà mes trois fonds de teint pour cet hiver. J'ai de quoi faire, vous ne croyez pas? Et puis, ben, je reviens là-dessus pour vous dire. Parce que là, c'est un prix quand même très cher, entre deux. Et là, bah, je vais tester et je... Parce que le fond de teint de chez Leclerc, je l'ai acheté, lui, 16,08 €. Donc, vous voyez, donc si je me suis loupée dans le coloris, je poudrais un peu plus. C'est pas évident d'acheter comme ça des fonds de teint. Moi, je trouve, oh là, je suis coiffée comme un as de pique. Donc, voilà, voilà. Voilà ma vidéo de cette semaine. J'espère qu'elle vous aura plu. Il y a longtemps que j'ai filmé parce que j'avais plein de choses à faire. J'étais partie garder les petits enfants et puis oui voilà. Donc on est occupé et puis j'avais pas envie de filmer et puis parfois j'ai plus de voix du tout. Donc quand on n'a pas de voix tout le temps. C'est mon souci que j'ai. Donc voilà, je me porte très bien. J'ai eu le vaccin pour la grippe il y a 15 jours et je me fais vacciner la troisième dose bientôt. Là. Ils vont m'appeler, c'est très bien. Moi, je suis partante. Voilà, voilà. Si cela vous a plu, un petit pouce en l'air, là ou là. Actionnez la petite cloche. Abonnez-vous à ma chaîne, ça fait tout le temps plaisir. Partagez-la, faites ce que vous voulez avec, comme je dis toujours. Et puis sur ce, portez-vous bien, mes amis. Et puis à très vite. Très bon week-end. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster ma vidéo. Je vais la monter tout doucement. À bientôt. Et je vais faire une petite vidéo sur le fond de teint, ce que je pense. Allez, sur ce, plein de belles choses. Bisous et à bientôt.